parlait, et... bon... Ushu, qu'est-ce que je peux faire? Le jour du couronnement d'Etsli approche. Bientôt, il sera un homme. Et il entamera le chemin qui le mènera au trône de Paititi. On dirait que tu attends ça impatiemment. C'est l'espoir de ce jour qui nous encourage à combattre Amaru et son culte. Parfois, ça fait du bien de se rappeler pourquoi on se bat. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Quand Saeri, le père d'Etsli, est mort, Unuratu m'a fait l'honneur de me confier certaines tâches paternelles. Parmi elles, je dois réunir 3 objets sacrés pour la cérémonie. Mais... Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, tu es débordé. Parle-moi de ces objets. Il s'agit de l'amulette du Sauveur, de l'arc du Champion et de la corne du Roi. Une bénédiction des ancêtres de notre futur roi. Dis-moi ce qu'il te faut et je verrai ce que je peux faire. J'ai déjà envoyé des hommes chercher l'amulette et l'arc. Mais si tu trouvais Kabil, le fabricant d'instruments, et qu'il te donnait la corne du roi, ça nous rendrait un fier service. Il est réticent. J'ai envoyé 2 hommes, les 2 ont échoué. Tu pourrais peut-être parler à sa femme? Je crois que c'est dans mes cordes. Méfie-toi, Kabil peut se montrer désobligeant, mais Abra, sa femme, sait comment lui parler. Jonah, je crois que j'approche de l'entrée de la mine. Ushu dit que c'est au bord de la montagne. Il a envoyé un rebelle pour l'ouvrir. Merci. J'y suis. J'y suis. Unuratu vient de partir avec Akan. Elle attend que tu ouvres la porte. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je suis sur la bonne voie. Attention. Les Chipalchuko sont en Kwautan. Tac.
Voilà la porte que je dois ouvrir. Je dois ouvrir cette porte. Jonah. Comment va Edsley? Ça va, ils l'ont libéré. Mais Unura Tu a été capturé. Oh non. Et toi, ça va? Ouais. Je pars chercher la boîte. Je sais pas quand je reviendrai. Fais ce que tu dois faire. Merci. L'œil du serpent. C'est bien lui. Thank you.
cause de moi, il tient Nour à tout. Qu'est-ce que Dominguez va lui faire? Tant qu'il aura besoin de la boîte, elle restera en vie. Qui a bien pu faire ça? C'est où? Je peux plonger.
doit être les soldats des Trinitaires qui ont disparu.
boîte est peut-être là. Ishel et Shakshel qui protègent la boîte.
dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yashil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. C'est forcément là. Une éclipse et un héron, comme les tatouages de Noratu. Mais où est la boîte ? Tout est plein. Je peux plus rien prendre.